15 leçons de marketing du sport en Afrique, tel est l'intitulé de l'ouvrage du docteur écrivain, ancien basketteur Diable Rouge, Christian Bongo, qui a été présenté au Centre culturel Jean-Baptiste Attiloutard en présence du directeur départemental des arts et des lettres, des chevaliers de la plume et du micro, des sportifs de Pointe-Noire et autres passionnés de l'écriture. 15 leçons de management de sport en Afrique, cet ouvrage de l'ancien basketteur par des mots qui minent le sport et des solutions à apporter dans le domaine du sport en Afrique, particulièrement au Congo. L'objectif que veut atteindre l'écrivain, c'est de rendre le sport vivant en Afrique. Après la présentation du livre, il est intervenu une séance des questions-réponses entre Christian Bongo et les participants. En rédigeant cet ouvrage, vous êtes sûr que ceux qui vont le lire, ils vont s'en sortir. Et c'est pour vous une occasion de... c'est pour vous l'occasion d'apporter le sport, particulièrement le basket, dans un état normal. Nous apportons une autre façon de penser le sport au Congo, une autre façon de penser le sport. Et c'est une des choses qui pourrait être utilisée par ceux qui ont la décision aujourd'hui à un plus haut niveau. Donc cet outil, nous le mettons à disposition pour que certains qui sont peut-être plus influents qu'eux s'en inspirent. Mais cet outil ne vient pas pour résoudre tous les problèmes du sport. Pour résoudre les problèmes du sport, il y a d'autres moyens. Il faut se réunir, il faut se retrouver, il faut prendre des décisions, il faut prendre des décrets, il faut construire des stades, il faut. Ensuite est intervenue une séance de dédicace en présence du directeur départemental des arts et des lettres de Pointe-Noire, Fabien Victorien Obongo. Vendu à 8 000 francs CFA, ce livre est disponible dans les librairies de la place.